Bonjour et bienvenue, c'est Erika Robin, sonothérapeute et praticienne chamanique. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi pour une méditation, pour ressentir de la gratitude, pour tisser des liens indéfectibles avec la vie. Pendant que vous prenez le temps de vous installer confortablement, je vais vous parler de la gratitude. La gratitude, c'est une émotion qui est précieuse et qui remplit notre cœur de joie et qui nous apaise. Pour se connecter à elle et la ressentir, n'hésitez pas à prendre quelques minutes par jour pour méditer. Vous pouvez également décider d'écrire dans un journal ce pourquoi et pour qui vous ressentez de la gratitude en ce moment. Vous pouvez faire cela au quotidien. La gratitude, elle loge toujours en nous, même lorsque l'on a de la peine à la voir. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, à la commenter afin que je sache les effets qu'elle a sur vous. Vous êtes invité également à la partager à votre entourage, à vos amis ou à n'importe quelle personne pour qui elle ferait du bien. Je suis persuadée que cette méditation sur la gratitude a beaucoup à vous apporter. Vous êtes bien installé? Vous allez pouvoir commencer à fermer les yeux. C'est parti! Prenez ce temps pour vous installer confortablement. Peut-être avez-vous rajouté un plaid ou des écouteurs pour une meilleure écoute. Fermez les yeux, avec ou sans bandeau posé sur vos yeux. Et commencez à respirer profondément. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en le dégonflant. Inspirez, expirez. Faites cela de manière profonde, lentement, plusieurs fois, à votre rythme. Une fois que vous vous sentez connecté à votre respiration et à l'instant présent, décidez d'orienter votre attention sur l'une des personnes de votre entourage. Peut-être une personne qui se trouve là, autour de vous. Peut-être dans la même maison. Peut-être une personne qui vous manque, qui est loin de vous, que vous aimeriez voir ou revoir. Prenez petit à petit conscience de ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie, du processus de votre relation, de ce que vous vivez ensemble, de ce qu'elle vous apporte, non seulement dans les joies, mais aussi dans les peines, peut-être même dans la peine qu'elle vous fait parfois. Prenez le temps de penser à ce que ce serait votre existence sans elle. Prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de visualiser. Que serait votre existence sans cette personne qui est dans votre vie? Regardez à l'intérieur de vous. Que ressentez-vous quand vous pensez à ce que vous vivez et à la chance que vous avez de vivre des choses avec cette personne? Même si le vécu est négatif, réalisez la chance que vous avez d'expérimenter une situation qui vous aide à grandir. Et lorsque la situation est positive avec cette personne, alors décuplez ce ressenti, la chance que vous avez de vivre cela avec cette personne. C'est ça, la gratitude. Elle est là,
depuis toujours. Il suffit juste de la voir. Accueillez les émotions qui l'accompagnent, avec bienveillance. Accueillez les sensations. Il peut y avoir un savant mélange de joie, de colère, de surprise, d'admiration. Toutes les émotions, toutes les sensations ont leur place. Accueillez tout ce qui accompagne cette gratitude. Ressentez pleinement cette gratitude dans votre cœur, dans votre corps. Respirez avec elle encore quelques instants. Tout n'est pas parfait. Mais vous ressentez de la gratitude car connaître cette personne nourrit votre propre chemin intérieur. Ressentez pleinement cette gratitude dans votre cœur. Ressentez pleinement cette gratitude dans votre cœur. Ressentez pleinement cette gratitude dans votre cœur. Quand vous sentez que votre cœur est rempli, nourri de cette gratitude, revenez à l'observation de ce qui est autour de vous, tranquillement. Vous pouvez décliner cette séance à l'infini. Elle est une belle occasion de faire le point sur vos relations, qu'elles soient actuellement dans le conflit ou qu'elles vous apportent les plus grands bonheurs. Ressentez pleinement cette gratitude dans votre cœur pour tout le cheminement parcouru. Ainsi, allongé ou assis dans la pièce dans laquelle vous vous êtes déposé avant de débuter, vous allez tranquillement revenir à vous-même. Vous allez ressentir votre corps devenir plus tonique, votre respiration devenir plus ample. Vous pouvez ressentir le besoin de bâiller, de vous étirer. Et lorsque vous êtes prêt, à votre rythme, le cœur chargé maintenant d'une belle gratitude et d'émotions positives, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, laissez votre commentaire juste en dessous, likez et partagez. Je suis persuadée que cette méditation peut apporter beaucoup de bien autour d'elle. À bientôt! Cette méditation a été fortement inspirée par le magazine Méditation, l'édition de juillet-août-septembre 2022.